Ouais, d'accord. Voilà, on se redit bonjour pour encore plus de mucus. Mucus qui viennent de nous sortir des petites saloperies. Bonjour la VOD et bonjour Bonjour la Xépus et bonjour VOD. Ouref. Bonjour les gens. Alors, c'était la merde. Donc qui fait quoi Ça déjà? l'est Déplacement toujours. 2, attaque 4. Oh putain, la violence. Mais Invoque Sikiron, un c'est important qu'il parte à mucus. la retraite. C'est important, voyons. Il subit des dégâts, Pro cela dit, pour faire squash, son j'y peux rien, c'est pas invocation. Urtuc. C'est pas Urtuc. Ouais, mais sous quoi C'est je un peu moins comprends pas. palpitant. On dit pas la retraite chez lui. C'est vrai. Comment ça, tu le vois pas? Ah, mais je suis désarmé, mais non. Mais pourquoi? C'est abusé de me faire des trucs pareils. Parce que même le jeu, il veut que t'ailles jusqu'au coffre et tu t'en fous Il de ses s'en fout combats. du reste. Démerde-toi. Je peux quand même l'étourdir, là, même si je suis désarmé. Ouais, voilà, merci, quoi. Et tu peux toujours invoquer un Skeletor. Pourquoi Ouais, pas? bah, je crois qu'il va être temps. Ouais. Enfin, cela dit, il va se faire défoncer la queue avant de faire quoi que ce soit, mais. Attends. Parce que là, il Déplacement, y a attaque quoi? Il y 0, a. attaque 1. Déplacement 4, Ah non. déplacement 4, attaque Ah, 1. Ouais, non, le chaman, il le fait quoi chaman là? il attaque 2. Ouais, il fait 2, ça devrait aller. Il va faire un tir. Bah ouais, je vais passer l'attaque. Il a combien? Il a 3 PV. Allez. Je vais même le mettre derrière, Allez. tiens. Je vais le mettre derrière moi, comme ça au moins il tankera un tour de plus. Ouais, Incroyable. en plus T'as j'ai des invoqué des pièces trucs d'or, si plus je me gros que mets bien, toi. je peux piller des pièces d'or quoi. Ce jeu est parfait, on peut filer des pièces d'or. Allez, t'es blasé qu'il soit pas mis proche, hein. Oh le x2, Ouh, le ah ça x2 c'est qui beau fait plaisir. ça, ça c'est qu'est-ce qu'on aime ça. Et Ah, la il est quand bénédiction même qui est tombée brutal. aussi. Hein. Il est quand même Il brutal, dit en il même temps, est. t'as l'impression d'entendre une cour hantée, une cour. Il dit, oh, mais votre monseigneur, vous êtes tellement beau, vous êtes. Ah. Allez, Ouais, prenez bah. votre retraite là. Ce coffre est à vous. Ce coffre est à vous. Mais oui, bien sûr, ça ne nous dérange pas, voyons. Ah, Non, putain. il faut que tu utilises le saut, saute-leur dessus. Non mais tu vas pas attaquer. Bon Bah, il ok. pourrait faire le couteau Xebunoken. C'est vrai que Non. c'est léger, t'as 2 d'attaque sur ton déplacement, j'avoue. C'est le même prix. Faudrait qu'il enlève sa tache blanche sur la moustache. Quoi? Nani? Nanu. Je ne vois pas ce que tu veux dire pour le coup, je suis désolé. Hein. Tache blanche sur la moustache. On parle de qui d'abord? Déjà pour commencer en fait, ça m'aidera peut-être à voir. Ouais, je sais pas non plus. On parle de Freddie Mercury. Oui, bon après voilà, moi je les références compliquées, je vous les laisse. Hein. N'empêche que Danser pour la l'instant, il y a que tueur, Xebus voilà. qui tue des monstres. Hein. Ouais, bah nous on fait la Ah. quête, si tu veux que je te dise. Et bon, tu peux piller en étant sur place, ça c'est cool. Bon, ça aurait été abusé quoi. Ta-ta-ta-ta-ta. 1 sur 4. Bravo, t'as le droit d'attaquer maintenant. Ouais, oh j'ai fait un dégât. Incroyable. Et Pas mal. voilà. Bon, Celui c'est qui surtout fait que des t'as fait de l'XP. courbettes, hein. Celui qui fait des courbettes, nous dit Flo. Il est pas la ref, désolé. Non, je non plus. Mais non, mais c'était sur la blague que j'ai fait, non, avec avec la cour qui est en train de faire la. En train de dire, oh mon seigneur, vous êtes tellement beau, vous êtes tellement fort. Parce que quand j'ai fait avec Gros Caillou, là, ça m'a vraiment fait penser à ça, là, votre réaction. Tous les deux, en même temps, vous parlez de genre, mais putain, il est vraiment brutal, ah oui, il est fort. T'as vu comment il est balèze, ah, franchement, il est vraiment Il dit que Xebus a compris, donc effectivement, bien joué Xebus. beau. Tu as saisi l'allusion, visiblement. Aïe, aïe, aïe. Maintenant, il va t'envoyer un MP, il va dire non, mais en fait, il a rien capté. C'est pour lui faire Mais je voulais plaisir. faire plaisir pour Je pas voulais qu'il lui faire s'humilie. plaisir. C'est Xebus quand même. Il a perdu le giveaway. C'est ça, il souffre déjà assez dans la vraie vie, le pauvre. Tu as pas aidé comme ça, alors. Ah, Ouais, ça y est, ça commence à discuter là.
Je vais détruire une carte parce que de toute façon. Et encore une fois, Ouref est le premier qui meurt. Mais je suis surtout le Oui, premier mais il qui a fait aura la eu quête, lui. Mais c'est ça, c'est le black de la série. Il fait tout pour ses copains, il crève et tout, et à la fin, quand genre, on fera le pot où on a fini la quête, on va faire « Ah, il était quand même sympa, hein. Ouais, c'est clair. Allez, on s'en va? Comment Allez, on s'en il va. s'appelait déjà? » Comment il s'appelait C'était quoi déjà? son nom? On en retrouvera un autre dans la prochaine taverne. Comme dans le bloc là, le voleur, hein, personne. Et je suis là, je suis dans votre groupe depuis le début. Ah bon? Alors moi je m'imagine là en jeu de plateau l'horreur que c'est de gérer tout ça. Ah C'est ouais, tout le chiant monde quoi, sera c'est ça posé, demande juste un tout. peu de rigueur, mais c'est juste chiant. Mais attends, t'es sûr que celui-là je l'ai joué? Ouais, Et mais ça ça demande demande beaucoup Brodeuf, bienvenue sur le de. live. Ça doit demander beaucoup de, surtout de temps. C'est ça, mais oui, c'est pour ça que moi c'est pour ça que je kiffe vraiment jouer aux jeux vidéo, c'est l'économie de temps, quoi. Bah, quand l'adaptation elle est bien faite, c'est vraiment le truc super cool, hein. Bon, on n'a pas dit qu'elle était mal faite, mais. Mais bon. Hein. Bah, je vais Voilà. faire un repos court. Voilà. Oh là là, je joue tellement tard, putain. Mais non, purée, mais n'importe quelle Bon. carte sauf celle-là, quoi. Voilà. Oh! Je crois que j'ai vu de l'or par terre. Ça sent le pâté. Crois que j'ai vu de l'or. Tiens, tu déconnes pas, signe, tu nous le valides quoi qu'il arrive, hein. Ben écoute, je vais faire ce que je peux. Non, Bon, mais c'est pas surtout une réponse que que j'accepte, ça. Tu Écoute, fais pas ce que tu peux, tu le fais, c'est tout. Fais-le ou ne fais pas. Putain. Voilà. Fais... Je fais ce que je peux. Non, 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 tu fais pas ce que tu peux, non. Ouais, bah écoute, essaye toi-même déjà de la faire, hein. Bouclier, renforcement et soins. Ah oui, d'accord. C'est comme ça, Ils la sont comme base. ça. Bon, ça va, ils attaquent Putain. pas, ça devrait le faire. Pillage 1? T'es sérieux? C'est quoi ça, pillage 1? Non mais, sans déconner. Techno 3. Y a abus, là. Y a abus. Et Techno 3. Ah, ça. Alors, est-ce que je fais 2 d'XP? Est-ce que je fais 2 d'or? Ah là là, c'est compliqué là. Bah, cela dit, tu peux faire 4 XP là. C'est Ouais, clair. je peux faire 4 XP, oui. Ah non, t'as pas la glace, non. Donc tu peux pas faire 4 XP. Non, non, il générera de la glace. Oui, Ouais, c'est mais il pourra pas l'utiliser une tout de suite. génération. Non, Ouais, mais mais il au en a pas prochain besoin. tour, je vais pas. Ah oui, pardon, tu génères de la glace, pardon, excuse-moi, oui, non, je pense à l'autre. Ouais, tu peux faire 4 XP du coup. Tout à fait. Le faisant. Ah, t'es confus là? Oui. Très très bien. C'est con parce que du coup ils sont confus mais ils tapent pas quoi. Donc Bah ils seront confus pour le prochain tap, hein. Ça se garde. Ah peut-être. il a le droit de faire ça? Ça, c'est le genre de mission que je trouve un peu frustrante parce que tu sais que tu vas la faire parce que tu la rush juste. Ouais, enfin Ça c'est pas prend du garanti temps. pour toi. Bon, attends, je suis à une case, deux cases, ça va, tour prochain, c'est Non mais fait. c'est surtout, t'imagines là en plateau, ouais effectivement, la mise en place pour rusher un truc quoi. C'est clair. Ouais. Et là tu sais, il y a 50 ennemis qui vont servir à la mort. À rien. Alors. En plus tu dois tirer au sort ce que font les ennemis, je pense, non? Ou... C'est un deck. T'as des decks en fonction des ennemis, tu te les mets sur le côté, et pour chaque type d'ennemi, t'as un deck particulier. Imagine, il n'aurait pas soigné, tu l'aurais buté, quoi. C'est un peu ça, ouais. Rends l'argent. Eh, mais rends Ah, l'argent! bah ouais. Rends l'argent! T'as vu ça? Scandale, quoi. Il y a encore un qui souffre de quoi? De foupie administrative. Et ça, le mec, il part avec des sub-gifts.
Ah voilà, voilà. Dans le signe noir, il n'aura rien à ramasser. Ouais, ah non, mais là c'est. C'est totalement la déception. Hein. En plus, ils visent les pièces quoi. Non, mais... J'aimerais qu'un jour ils adaptent aussi bien Zombicide ou Core Space. Zombicide est adapté, hein. C'est en Play Store, mais c'est en jeu vidéo. Comme Gloomhaven, d'ailleurs, j'aurais pu avoir une clé pour, si j'ai des gens qui sont intéressés pour. Zombicide, tu l'as sur Tabletop Simulator. C'est faisable. Et il est en jeu, mais... Zombicide. Et il est en version officielle aussi. Il est dans le workshop et il est dans le jeu. Il est bien adapté. Et en fait, c'est le jeu de plateau puisque c'est un tabletop. Il y a rien qui est géré par par une IA ou quoi que ce soit. Oui, mais Tabletop Sim, c'est pas le plus convivial pour choper du monde. Ouais, mais tu l'as en jeu vidéo noir. Oui, je pensais en jeu vidéo. En officiel, hein, je parle en jeu vidéo officiel. Hein, Asmodée a fait comme pour Gloomhaven. Ils l'ont complètement. Ça, je ils l'ont complètement sorti sur le Play Store. C'est bien fait, ça peut être cool. Hein, mais... Après, de toute façon, ce genre de jeu, c'est du jeu. C'est jeu pour trip avec les copains, quoi, c'est ça. Tu joues pas, y a pas de multi. Là, c'est pareil, c'est pas un multi en mode recherche random, matchmaking. Ouais, c'est clair. Ce sera l'horreur d'ailleurs. Squash nous dit 10€ sur Steam. 10€ sur Steam pour Zombicide. Avec quoi dedans? Toutes les campagnes? Vas-y, fais voir, ça m'intéresse là. Parce que ça doit être bankable, hein, parce que... Ah ouais, y a le jeu vrai jeu de plateau, il coûte quoi 150 balles avec tout. Ok, non, Tabletop, mais... Tabletop, il faut avoir Tabletop Simulator. Ah. Oh, mais Tabletop, tu l'as dans le workshop de Tabletop en fait. Vengeance. Tu peux l'avoir gratuitement une fois que t'es Tabletop. Tu l'as, des mecs qui l'ont modé et qui l'ont fait très bien. Donc. C'est comme Blood Bowl 3, hein. Vous pouvez jouer à Blood Bowl 3 sur Tabletop, les mecs. C'est très long par contre. De toute façon, Blood Bowl sur plateau, c'est très long. Ouais, mais sur Tabletop, c'est encore un peu plus. Ça joue bien de croire. Voilà, on est en place. Tour prochain, on termine. Et on est bien. Voilà, comment il se cache derrière les invoques. Hey, je suis un vermeling, hein. Je suis pas là pour taper raison. Moi-même. Hein. Il a tellement raison. Allez, un petit repos court. Oh, j'aggro le pillage pour le repos court, quoi. Sérieux. Bon, on est d'accord, hein, ça marche de transformer un truc inférieur en pillage. Oui. Pas la peine que je me fasse chier. Comment tu parles des gens, là, des trucs inférieurs? Qu'est-ce qui se passe? Non. Pourquoi je suis en chargement, les mecs? Quoi? T'as quitté? Tu t'es fait jeter? Ouais, je me suis fait jeter. Bon, t'as fait la quête, c'est pas grave. Ça peut se passer de toi. Warf s'est déconnecté. Ah non! Oh putain, on en est là, quoi. Tu t'es déconnecté, Warf. Ah, ça, il a réussi à survivre 6 tours, donc du coup, son jeu a dit non, non, tu bluffes, là. C'est vas-y, pas possible. Je t'ai revu une invite. Mais est-ce que ça marche l'invite là? Aïe aïe aïe. Tony. Bon, allez, on va dire que le multi est quand même vachement plus stable qu'avant. Qu'avant, il faut pas. Ah, le nombre de parties où ça plantait au bout de 2 tours là. Après, t'avais une connexion un peu en carton aussi. Hein. Alors, c'est toujours le cas, visiblement. J'allais dire le alors. Quand la phrase elle commence comme ça, tu sais que le mec il va pas te faire un compliment derrière. Alors, de 1, je t'emmerde. Non, mais même quand j'avais pas la couille en carton. Tu l'as prise, l'invite ou pas, Warf? Et oui, je l'ai prise. Elle t'a rien dit? Aïe aïe aïe. C'est pas noté que t'es en train de rejoindre la partie là. Bah, ça, oui, arrive, ça vient de okay, ça vient de okay, une notif là. Okay, j'entends cool. Des bruits bizarres d'ailleurs. Voilà, on est bon. Bah, okay. J'ai un putain d'écran noir en fait, moi. Ah, c'est bon. Bon, tu valides Warf ou. Ça se passe comment? Regarde, allez, il va nous faire une méga attaque de Tissor là. Ouais, bien sûr, avec les deux cartes qui me restent en main,
Tiens, mange, Wyvern, mange. Vas-y, bévère le squelette. C'est presque dommage que c'est pas le rat qui attaque en premier d'ailleurs. C'est clair. Alors, je peux je peux renoncer à l'acran pour. Mais tu sais pas, c'est peut-être le rat qui attaque en deuxième parce que tu l'as invoqué en deuxième. Peut-être, ouais. C'est peut-être ça qui joue. Ah, faudrait regarder. Alors du coup, qu'est-ce qu'ils font de beau en face? Attaque 1 de zone, très bien, avec empoisonnement. Et les vermling, ils font quoi? Non, ça c'est les chamans, je m'en fous, enfin encore que... Ouais. Attaque 2 portée 3, le chaman. Ouais, 4 de dégâts là, mais ils bougent pas, donc ils me font rien. J'ai pas de mucus, moi. Tu t'en plains ou ça se passe comment? Je trouve qu'il n'y a pas de challenge. Ça tombe bien, il paraît qu'il y a un combat qui est un peu sympa qui nous attend. Genre avec un démon. Est-ce que ce serait pas pour la prochaine fois ça? Bonne soirée Flo et à demain pour Dreadlands, ouais, carrément. Bonne soirée Flo. Au revoir. Alors. Alors tu pilles ou tu refonces dans le tatapé? Non, mais fais pas ça. Qu'est-ce qu'il fait? Il a pas ouvert le coffre. Ouais, mais je m'ennuyais, je me suis dit que j'allais d'abord buter tous les monstres en ouvrant le coffre. Je pense que c'est pas faisable. Et on prend un peu d'XP pour le plaisir. Ah, cela dit, ça fait plaisir de pouvoir cramer les cartes et prendre de l'XP, voilà, comme ça pour le fun, quoi. Je vais voir ce que ça donne alors. Bah oui, Kiro, tu me diras. Je l'ai pas essayé. Je l'ai pas essayé. T'as pas essayé quoi, Kiro? Zombicide sur le Play Store. Ah, mais c'est sur du tabletop. Non, c'est un jeu vidéo à part entière. Ah oui, ok. Ouais. J'étais tellement bon souvenir sur le jeu de plateau que. Bah, c'est ça, moi je me dis, c'est comme Gloomhaven, j'ai des bons souvenirs sur le jeu de plateau. Pourquoi pas relancer une petite partie de temps en temps avec des potes et tout, c'est sympa. Voilà. Ah, la petite malédiction. Quoi, lever le... La petite malédiction au bon moment là qui tombe. Allez. Alors j'ai droit à 2 à boire. À boire pour Flo. Et à boire pour Broudef. Voilà, argent, au revoir. Là où tu sens que t'es bien, c'est quand t'as un déplacement avec Saw, mais qu'il y a tellement de mobs autour que tu peux quand même pas te barrer, quoi. Si, je pouvais. Alors, est-ce qu'ils vont avoir le droit de jouer avant qu'on gagne? Normalement, tu finis le tour. Bon, tu pourrais avoir de la chance. Ah non, il y a qu'un seul moins 2, pas de bol. Donc 5 balles sur le Play Store, l'officiel de Zombicide. Le Play Store, c'est quoi? Le Play Store de quoi? Le Play Store, c'est le... c'est Android. Si je... Ah, non, Android, c'est pas d'accord, PlayStation le Store, je crois que c'est Android. Ouais. Ah ouais, sur téléphone? Enfin, ouais, sur tablette. Sur Play Store, quoi. Ouais, mais tu te prends un émulateur, tu joues sur PC, hein, c'est pas gênant. Oui, c'est vrai. Bah non, même Play Store, tu peux la... c'est une application, tablette, tu crois, hein. Tu peux le mettre sur PC. Tablette aussi. Les tuiles trésors ouais, ne peuvent être pillées qu'en utilisant une action, blablabla, donc on a réussi. Ah ok, ouais, d'accord, on est encore en train de jouer, putain. Oui, non, ils ont pas fini encore. Il y a du peuple, même, hein. Regardez ça, comment ils résistent. Incredible. Je dirais même plus incredible. Non, je sais pas si je dois la valider, c'est ça. Tu me dis pas ça. Moi je pense que personne ne dit ça. Dans les coffres, vous trouvez un sinistre bâton couvert de verre et orné d'un crâne décomposé cassé en plusieurs morceaux. Ouais, gueule. Lorsque vous attrapez le c'est un peu ça, oui. Lorsque vous attrapez le dernier bout, de nouvelles portes dérobées s'ouvrent derrière les coffres, estimant que vous n'avez pas d'autre choix que d'emprunter ce nouveau chemin, vous entrez.
Quelques instants plus tard, vous tombez sur une intersection à quatre embranchements où vous retrouvez vos compagnons. Ensemble, vous empruntez celui qui vous ramène à la surface. Nice! Et oui. Puriste, il n'y a que Warev qui a réussi son challenge. En même temps, ne piller aucun tas d'or alors qu'il fallait piller un coffre, c'est abusé quoi. Ouah, j'ai tué deux monstres, mon nouveau record! What the fuck? Ah putain. Ça doit être le record dans ce scénario là spécifiquement. Ouais, je pense. C'est quoi le but du jeu, Brodaf? Brodaf qui nous dit: quand j'ai lu exploration de donjons, je m'attendais à des combats épiques, mais là je vois juste des persos qui se cachent dans les coins. Ouais, alors là on est tombé sur une quête. C'est la première fois que j'en vois une comme ça, hein, pour le coup, où il fallait qu'on aille fouiller un coffre. Et du coup on était isolés chacun dans notre bout de truc. Du coup effectivement on est d'accord que c'était pas la quête la plus fifole du moment quoi. Oh, mais vous retournez dans vos quartiers, assemblez les fragments du bâton. Malgré son apparence effrayante, vous ne comprenez pas quelle peut bien être sa fonction. Vous remarquez cependant vous comprenez qu'il s'agit d'instructions pour pénétrer dans la chambre secrète d'une des cryptes que vous avez déjà visitée. Vous savez quelle sera votre prochaine destination. La quête est terminée. Mais tu déconnes pas. Putain, quand tu vas à la retraite, toi. Franchement, la retraite, ça déconne pas avec les gros cailloux. J'avoue. Hein. Yes, c'est terminé. Mettez le scénario de la cave toxique à son terme. Alors du sauterne, c'est très bon à boire. Hein. On se la fait, vite fait. Mais on en est où, là? Il nous reste. En bref, on a décidé d'employer la ruse. C'est un peu ça, ouais. C'est ça. On se la fait vite fait, est-ce que c'est possible de faire un truc vite fait dans Gloomhaven? C'est un peu la question que je me pose, moi. Alors moi, je voudrais bien prendre mon bonus, d'abord, déjà, pour commencer. Ah, j'ai gagné un niveau, cool. Bah, je vais prendre mon niveau, du coup. Suceur de cervelle. Mmh. Ouf. Oh, là, concrètement, les crochets très puissants. Hurlement silencieux. Chaîne et crochet. Déplacement 3. Ouais. Invoque un rat géant. Ah bah il sera mieux que les petits. Ouais mais il met pas poison. Sinon j'ai suceur de cervelle. Tant que c'est la cervelle, tu peux l'accepter quand même. Le truc qui fait quand même 4 d'attaque à portée 4 et qui fait 5. Qui fait 5, 4 de soins sur moi-même quoi. Il va chercher longtemps, hein, il va s'épuiser. Non, non, mais c'est pas possible ce genre de blague. Et là, en fait, tu te rends compte que t'invoques le machin de Starship Trooper, là, le gros cerveau. Putain. Ok. C'est bon, vous avez fait vos bonus, les gars? Oui. Allez, mais gros caillou, on fait la rencontre de ville et puis j'arrêterai après, moi, par contre. Ok, d'accord, pas de soucis. Parce qu'il est 22h. Vous êtes réveillé au beau milieu de la nuit par le son des alarmes résonnant à l'ouest. Vous reconnaissez le signal d'une attaque des murs de la cité. Une force... Putain, je le connais cet événement. Une force suffisamment brave pour tenter l'assaut des défenses de la Brunie ne peut être prise à la légère. Pendant un instant, vous êtes heureux du nombre important de gardes qui défendent la ville. Mais tout de même, il est possible qu'ils ne soient pas assez nombreux. J'adore les qualités. Hein. Doux. Si les gardes sont distraits, c'est le moment ou jamais de dérober quelques biens, quoi. Alors là, c'est là où on va commencer à s'orienter, good guy ou bad guy, quoi. Non, on va aider à la défense quand même. On a une réputation. Ouais, d'accord. Bref. Là, je suis d'accord. Ok, d'accord, cool. Plus en prospérité, ça c'est bon, ça. Faut être franc. Si on vole tout dans les boutiques, on peut plus faire les boutiques après. Oh, gros caillou a passé un niveau. Oh, ça fait plaisir. C'est super avant la retraite. Ouais. Mais au moins, j'aurai une belle carte à jouer pour la dernière mission. Déplacer un obstacle de la taille d'un hexagone sur un hexagone vide à portée de 4, attaque de 2 sur toutes les cibles des adversaires, adjacent à l'obstacle déplacé. Ouh. Immunité contre les effets négatifs de scénario. C'est la violence, ça, ou c'est moi? Oui, c'est bien, ça. Alors, je pense qu'on va prendre ça. Hein. On va enlever la mode de terre, hein, qui est quand même un peu moins bien. Un peu moins de soins, par contre. Et immunité contre les effets négatifs des objets, non.
Alors, qu'est-ce que je vais prendre? On avait ce truc là. Ouais, mais ça c'est du déplacement, je peux pas le virer. Peut-être virer, ouais, c'est à 8, mais... Allez, verdoyance. Je verdoie. Je verdoie. Ah, mais j'ai pas gagné de thunes sur... Ah, c'est dommage. J'aurais pu faire un dernier petit don, peut-être. Bon, bah, c'est plutôt pas mal. Ouais, ça s'est bien passé, mine de rien. Bah ouais, ouais, mine de rien, mine de crayon. Je me fatigue, parfois. Ouais, je... Ouais. Mais du coup, il est pas à la retraite encore, lui ? Non, il faut, il y a la dernière quête à faire. Quête, là. Ouais, puis maintenant, ils sont niveau 2, hein, les monstres. Vu qu'on est tous niveau, au moins niveau 2. Niveau de la compagnie, ouais, la compagnie niveau 2, là, c'est marqué en haut. Ouais. Richesse de œuvre nuit, 1. 3 sur 4, pas mal. Et ouais. Là, si on peut réguler... Normalement, quand on... je vais partir à la retraite, ça va... on va augmenter la richesse. Donc on va... Et on pourra recruter les prochains persos, on pourra les prendre direct niveau 2. Ouais, niveau 2. Et ça va être pas mal. Parfait, bah écoutez, moi je vais arrêter le live là. J'espère que ça vous a plu autant qu'à moi, autant qu'à nous. C'était bien plaisant. J'espère qu'on peut se refaire ça la semaine prochaine. Et on va faire un petit raid chez les Jeux du Cygne, qui jouent à... Oh, excusez-moi. On va pas faire de raid ce soir. Si, on va faire un petit raid, allez, on va aller voir Igot. Passez-lui le bonjour quand on fait un raid. Et nous, on va aller voir 119 minutes. Je vais vous passer un petit bonjour. En tout cas, merci d'avoir regardé ce live. Je vais couper la VOD là. Au revoir la VOD. Au revoir. Au revoir la VOD.